son projet. Le gars, il arrive, il nous sort trois pelules de Viagra, il est dit « Voulez-vous? » Et du beau Viagra, c'est pas mal, c'est vrai. Un peu. Merci! Le gracieux! On aurait brossé la soupe la nuit, Francis. Oh, laissez. C'est quoi plus dégueulasse que s'installer des calices? De... T'es-tu bien mieux dans ton condo à l'air climatisé? Hein? Bon, de la piscine avec la belle petite céramique, hein? Moi, j'ai quasiment le goût de garder mes bottes. Garde tes bottes. Là, on a un gros problème. Mes très bons amis, Raph, a absolument jamais nagé de sa vie. Ben, c'est vrai, t'as jamais vraiment nagé. J'ai déjà nagé, j'ai juste aucune technique. Je sais pas comment nager. Non, mais je fais n'importe quoi. Tu fais des aquaforts. Moi, Hélène, elle m'avait inscrit, j'ai fait aqua 1, 2, 3 jusqu'à 10. Non, non, moi, j'ai pas fait mes aquas. Ils collissaient mon camp après deux. Admettons là, qu'on est au milieu de la mer, puis que t'es un bateau qui est arrêté, puis t'as pas de flotte. Il dit, collisse-toi dans l'eau. Au pire, allez, on va aller te ramasser si t'es plus capable. Tu le fais-tu ou pas? Pour 100$. Je pense pas, non. Aujourd'hui, on va donner un cours de natation à Raph. T'as 22 ans, ça va se passer. Mieux vaut tard que jamais. On est à la magnifique plage de Boca Chica. J'ai pas peur de me noyer, je sais juste pas comment nager. Je fais n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est ton cours de natation aujourd'hui? Je vais te montrer comment la flottaison, puis en plus, t'es dans l'eau salée. Fait qu'on va commencer tes cours dans l'eau salée. T'as une meilleure portance à cause du sel. Ça va t'aider mes coups de soleil aussi, ça? Ça va aider tes coups de soleil, est-ce que on est gagnant-gagnant. Francis, as-tu nagé, toi? Le plan de la journée, on va s'en aller dans l'eau salée. Je vais montrer le mieux possible comment nager ventre et dos. On va commencer par le ventre. On va commencer par le ventre, puis on va finir par le dos. Puis après ça, vu que c'est plus facile dans la mer, on va s'en retourner à Villa. On va essayer d'appliquer les cours que j'ai donnés dans la piscine avec du chlore. Ça marche? Ça va être ça. Tu as l'air stressé en tabarnak. T'es sénère, hein? Chance sur deux, en plus, je vois plein de sangsues. Là, j'ai envie de pisser. C'est effervescent, mon histoire. Ah, je vais aller pisser dans l'eau, j'ai pas le choix. Va me saucer. Sauce-toi, va. Y'a là à moitié. Sauce-toi, va. Ouais, parce que j'ai des coups de soleil. Faut pas dépasser plus que 15 minutes, gros top. Ah, c'est dommage salé. Ah, c'est salé. Ça prend pas de ta vie, tu vis ça, toi. Dommage dégueulasse, c'est ça. J'ai mal ouvert le contact, calice. Bon, première leçon. On va se pratiquer avec les bras, OK? Fait qu'avec tes mains comme ça, ça va être bien important de faire des coquilles. Servir de la coquille pour rabattre l'eau en arrière de toi, c'est ça qui va te faire avancer. Prépare la coquille, pas de jambes. Pousse l'eau, pousse l'eau, pousse l'eau. Pousse, 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 pousse. Good. Pousse, pousse, pousse. Good. Ça, c'est la première étape à comprendre. C'était vraiment de comprendre la coquille et les mains, OK? Deuxième étape, ça va être de comprendre les jambes. Parce que la coquille, c'est une affaire de même, tu sais. Faut vraiment tu coquilles, tu coquilles. Faut que les papes, ils suivent exactement le rythme de tes bras. Fait qu'à chaque fois que tu fais une embardée de même, c'est trois coups de patte, OK? Et les pattes, là, faut vraiment que tu vois que t'es comme si t'étais un canard, là. C'est vraiment, là, comme ça. Bang, 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 bang! Pardon, calice! J'ai envie d'être une grenouille! J'ai un esti de nageur, hein! J'ai nageur, tabarnak! Prends-nous ça quand t'es prêt! Les jambes, les jambes, les jambes, les jambes! Y'a pas de jambes! Ça manque de jambes! Ça manque de jambes! Ça manque de jambes! Faut vraiment qu'en arrière de toi, l'important c'est qu'on voit de la broue. Du gros crisse de remous blanc, comme si t'étais un bateau! Toi aussi t'étais un bateau! Good, 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 good! Les pieds! Y'a pas de broue! Y'a pas de broue! Good! Hey, ça va bien, Asti, t'es court, ça va bien, Asti. Oui, là, l'amélioration est là. Ben, l'amélioration, mais j'ai rarement vu quelqu'un s'améliorer vite demain. Ben, comme je te dis, je peux faire n'importe quoi, mais je sais pas comment. Ça te prenait quelqu'un comme moi qui prenne le temps de te montrer. T'es un gars qui a plusieurs voyages en arrière de ta cravate, tu sais comment te débrouiller dans l'eau. Dernière chose qu'il faut que je te fasse essayer, c'est la flottaison. OK, regarde bien. Impossible, je serai jamais capable. Je serai jamais, mais jamais capable de faire ça. Gars, je flotte les oreilles dans l'eau de bain. Je peux passer un heure demain. Je force pas partout. Tu comprends la technique? Ouais. Si t'es capable, on est avancé en tabarnak dans nos leçons. T'as la plus grosse pofnouille que j'ai vue de ma vie. Installe-toi bien tranquillement. Je suis pas capable. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, ah ouais, rentre ta tête, rentre ta tête. Rentre ta tête. Attends, m'a t'aider un peu. ouais. Laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Tiens, OK. Un grand respire. Les oreilles sont pas dans l'eau, là. OK? Rentre un plus. C'est pas grave. Grand respire. OK, grand respire. Tu vas te lâcher doucement. Et voilà! Ça flotte! Yeah! Ça fait un beau 3 secondes. T'es parti pour la gloire. Et voilà! Yes!
Yeah! Yes, tu l'as pareil! Honnêtement, je pense que dans mer, ça fait assez de cours. Dans mer, faut que tu dises une affaire, c'est que là, t'es pas pire, mais c'est beaucoup plus facile que dans une piscine. C'est ça, j'aime ça, ça. Ça, c'est de la détermination, tabarnak. Cours est fini, puis continue de se pratiquer. On s'en va à la piscine du condo tantôt. Là, ça, tu vas voir, le step est une coche de plus. Ouais, c'est ça, hein. Ben, tabarnak, ça flotte pas, là. Puis tantôt, t'es capable de toffer 10 secondes de flotter sur le dos dans l'eau de chlore. T'es à quoi 10 direct, on te donne le badge. Ah, je suis fier de toi. L'amélioration était là. L'amélioration est incroyable. On s'en va au condo, puis on va continuer les cours. Dans la piscine. Ça, là, c'est la pire affaire. Venir à la plage avec une serviette, il n'y a rien de pire que ça. Moi, j'achèterais une serviette, je la laisserais sur la plage. Tu vas mettre ça dans ton sac, c'est le seul sac que tu as. Ça va être bien plein de sable. Les bas dans le sable, ça n'a pas de sens, Raph. La serviette, on va la donner à quelqu'un parce que je ramène pas ça chez nous. Là. Ouais, je vais la donner à quelqu'un. Ils ont tout volé le fer qu'il y avait sur le banc. T'sais. Ils sont allés vendre ça chez Métaux Lucien Côté. Calice! À deux amours noirs. Deux amours noirs! Fait qu'avant d'aller faire les derniers cours de natation. Prends des forces. On va donner des forces au flow, après ça, on s'en va terminer tout ce qui reste de cours de natation, mon ami. T'es arrivé avec une grippe, tu pars avec des coups de soleil et une façon de nager incroyable. Voilà. Hein? Tu veux partir comme. Tu veux-tu repartir plus en prince que ça? En une semaine, t'as fait du progrès, j'ai rarement vu une affaire de même. Calice, une pomme à terre au Québec, c'est 200$ à moi. Revenu au complexe, le sens prêt. J'ai jamais senti quelqu'un aussi prêt toute ma vie, hein? Ah, calice. Je me sens comme un stud. Ça, c'est la piscine dans laquelle tu vas finir ton aqua 10, mon ami. C'est deux longueurs complètes. J'ai besoin de deux longueurs. Donc, un vrai stud d'une piscine de même, là. Normalement, un stud, il touche jamais à terre. Le but ultime, c'est que d'ici les 10 prochaines minutes, tu réussisses à faire un aller-retour, puis je veux pas que tes pieds touchent à terre, j'aime très trop. Parfait. Tu penses-tu que t'es capable de faire de la ça? Pré-mousse. Les mains en coquille, puis les pieds, faut que ça fasse de la mousse en arrière. Je veux voir les bras puis les jambes travailler ensemble. Okay. 3, 2, 1, ça part! La tête dans l'eau! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! La tête là, faut que tu rentres ta tête dans l'eau de même, puis que tu respires en te remontant la tête sur le côté. Prends ton souffle, la tête dans l'eau, ferme tes yeux, t'as jamais besoin de regarder ce que t'es dans l'eau. Jamais, jamais, jamais. Les yeux, c'est fermé. Ça part. Je veux pas te voir toucher la terre. Au bout, au bout, au bout. Au bout. Les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. Plus de pieds, plus de pieds, plus de pieds. Manque de pieds. Calin, tu te rends même pas à moitié. Ça manque de pieds. Faut que tu sois gracieux, t'sais. Tu comprends? Faut vraiment que tu roules la planche. T'as-tu compris un peu ce que je viens de faire? Tu me fais de longueur, mon homme. Ah ouais, mon homme. Ah ouais, mon homme. Coordination, pousse les jambes, pousse les jambes, pousse les jambes. Si tu réussis ça, je te donne ton badge aqua 10. Tu peux aller travailler au lac Kenogami sauveteur. Les gars font 25 000 dans l'été. T'es-tu un stud ou ben t'es pas un stud? Donne tout. Puis quand t'arrives au milieu pis t'es plus capable, tu donnes tout encore. Deuxième souffle. C'est sa dernière essai, les amis, c'est pas les fast. 3, 2, 1. Ça part. Coordination. Bras jambes. Bras jambes. Coordination. Bras jambes. Bras jambes. Bras jambes. Coquille. Les bras coquilles. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Coquille. Donne tout, donne tout, donne tout, donne tout, donne tout. Oui. Bras jambes, bras jambes. Coquille. Donne tout, donne tout, donne tout. Cramant. Bon. On lui donne-tu quoi? Je suis fier de toi. Bravo. Je t'ai pas eu. Ben, tu l'as eu. Je te donne ton aqua 10. Non. On lui donne son aqua 10? Il le mérite, il le mérite. Il a donné en tabarnak. Hey, c'est un gros coup aujourd'hui. Là. J'ai quasiment passé une heure à y monter comme en danger. Félicitations, je te le donne. T'as le free pass. Le Vasseur au lac Kenogami, il t'engage anytime. Mot de la fin. Arrêtez de nager, c'est de la merde. Listen, you're too special to get overlooked. If you were first class, you'd get overbooked. Don't let them take away your shine, girl. You got me shook. Cause I can see the way you grind. That's a good look.